changé, mais il y avait dans d'autres parties dans la cité préhistorique qu'on trouve partout, de partie en fait de ces vases d'argile déjà inscrits aussi. Au musée préhistorique, ça se présente une collection de la présumée des armes et armes. Alors c'est l'art céramique qui commence dès ça, c'est la période de bronze. Le 17e siècle avant Jésus-Christ, la période de bronze, ça se présente au musée préhistorique ici. Balance pour la nourriture, comme son. Il y a une scie. Scie, c'est quoi? Scie pour couper le bois. Ah, bravo. Ah, comment on dit en français ça? Une scie. Ah, une scie. Alors, moi, je présente jamais ça. Je dis juste pour le couteau et après les poils. C'est tout. Alors ça c'était déjà, le métal était très précieux. D'ici en fait on garde quatre matières, matériaux. Ils utilisaient marbre, déjà on va voir le premier marbre, c'est le 15e siècle avant de jouer. En instant, mortier, on va voir ici, tripode. Et après ça se garde toujours aussi pour vous, parce qu'il y a une partie longue de placer. Et après il y avait l'argile, le bois et le métal. Alors on garde quatre matériaux basiques de la cité préhistorique du XVIIe siècle. Mais le métal était très important, la période de bronze. Et il y avait aussi des classes sociales ici et des professions. Il y avait les producteurs du bois, les menuisiers en fait.